Les amis, on est là. Moi, je fais vidéo ça, là, live vidéo ça. Ou même, quand vous regardez là, l'offre garde, ou bien pendant que vous regardez là, vous êtes capable de chercher lui pour l'autre monde qui a l'opportunité pour regarder lui. Tant pis, chercher lui pour le arriver sous tête monde. Parce que, bon, c'est lui le lit temps pour nous suspendre faire Tintin. Qui te moun passe non ba bêtise. Te bel, dernier ami pam, comment est-ce? Cher la la, vous m'envoie le fond de parler avec des trois têtes pétées. Qui va comprendre les moun a fait analyse politique, qui va comprendre comment le monde fonctionne, qui va comprendre la politique, qui va comprendre comment le régime politique fait, qui va comprendre aucun contexte géopolitique et stratégique. Il a fait analyse politique biaisé parce qu'il considère facteur interne seulement, il va considérer facteur externe. Facteur externe le plus souvent, il joue un rôle déterminant dans l'avenir politique en pays, surtout après l'effondrement de l'URSS, après les guerres froides. Je vais aller étape par étape pour qu'on puisse être pété. Je vais apprendre à nous comprendre les ABC. Pour nous comprendre pour qui raison, je ne dis pas, dans la Constitution 1987, là, amendée, nous voyons que les manifestations sont droits constitutionnels que la Constitution garantit. Je dis, là, je ne vais pas dire en pile bagage, je ne vais pas le nerf, je ne vais faire mauvais sang pour pièce tête pétée. Je ne vais pas parler pour les gens qui veulent comprendre, là, je vais parler pour nous comprendre. Pour nous quitter, pour nous suspendre, quitter les gens jouer avec nous, pour nous suspendre, quitter les gens passer nous en bas bêtise. Quand pile moun l'aime parler avec en tant que ami l'aime parler avec eux moi dit monsieur nous connait ça qui passé loi font analyse sérieux au besoin comprendre ça qui passe en Haïti hein mes amis chers là pour moi pour bien comprendre ça qui passe en Haïti hein faut faire très attention pour pas considérer seulement facteur interne maintenant en termes de système on réfléchit sur système. Soit pour ton réflexion solide, scientifique, objective sur un système, en pile monde pas jamais comprendre ça en système lié. Et non seulement on pas comprendre ça en système lié, grand pile monde qui confond un système avec un régime politique. Un système par un régime politique. Un régime politique c'est un élément en dedans un système. Deuxièmement, grand pile monde lors entendu on dit faux système dans chambardé, yo pas comprendre que tout système en dedans quelle que soit société a un maître, il y a un boss. Avait dit, système pas soutenant celle qui tombe à terre. Système, c'est un bagage qui est bien construit. Système qui a une pensée, qui réfléchit. Système, c'est un bon esprit qui a mené. Et système, c'est un bon maître qui a un intérêt à protéger. En d'autres termes, les gens mettent un système en place, ils sont là pour protéger l'intérêt d'un groupe, une catégorie bien spécifique. Mais ça m'a fait nous pour nous comprendre bien. En pile, monde pas jamais comprendre les gens qui ont parlé. Avant ou un changement qui fait en dedans un régime politique, en devant une société, un système tombé, il y a deux façons système ça capable tomber. Premier bagage pour considérer, il faut que un changement qui fait dans environnement géostratégique et politique. Non, ça veut dire pour un pile monde qui tête pété qui prend les têtes yo et politologue nous dans des cap parler dans radio fait macaque. On va pas nous tirer son ABC ça pour comprendre. Les gain changement géopolitique qui fait sous scène mondial là connaît que franchement ça qui fait sous cette international là libéral affecter une série de pays. On va faire un petit classement pour nous comprendre comment c'est nous et monde là fonctionner. Monde là il y a trois catégories de pays dans de planète là. Première catégorie c'est noyau dur là qui gagne là-dedans les pays extrêmement développés, extrêmement avancés, les pays qui extrêmement militarisés, les pays côté que yo gon ressources nan men yo extraordinaire. Dans le pays, ça yo, ma pratique est détroit là-dedans pour nous comprendre le pays. Dans le pays, ça yo, nous avons les États-Unis d'Amérique, nous avons la Russie qui a contrôle et en partie dans l'Europe de l'Est avec qui a une sphère d'influence li, dans la zone Moyen-Orient. Nous avons la Chine qui lui-même a une sphère li, qui a contrôle et qui exerce une sorte de
de influence dans Asie, dans Asie du Sud-Est là, avec nos zones. Ça veut dire, si on prend trois pays, ça on peut considérer pour vous, ces trois pays dans la planète là actuellement là qui gagnent véritablement des forces extraordinaires. Maintenant, aux alentours des trois pays, ça yo, majeur ça yo, yo chaque représente une grosse force. États-Unis exerce leadership li par rapport avec l'Occident. Grand pile moun lè a parlé, yo di États-Unis, mais par contre ça c'est l'Occident. Lò di l'Occident, ou gagne yande dans l'Occident, ou gagne la France, ou gagne le Canada, ou gagne l'Angleterre, ou gagne les pays de l'Europe de l'Ouest, ou gagne les pays et nordiques, scandinaves, ou gagne aussi nous-mêmes pays africains avec Haïti qui pas gagne identité, mais obligé à cause de colonisation, nous vîn aussi culturellement fait partie de ce qu'on appelle l'Occident. Après ça, ou bon deuxième catégorie qui et fait partie de sa orelle et l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est, li pa ka fin situé en Occident, pour qui raison? Par rapport avec une idéologie qui te traverse nous. Yo situé en frontière entre l'Occident et Asie. C'est-à-dire que l'on parle de l'Europe de l'Est, ou bien qui a une sphère d'influence li, qui c'est la Russie, ou bien les pays balkaniques, ou bien et descendre pour arriver dans le Moyen-Orient, dans la zone ça, dans le périmètre ça, c'est toujours l'esprit et Moyen-Orient. Mais il n'y a pas fin orienté, c'est ça qui fait le Moyen-Orient, mais toujours bon zone de conflit à cause de l'Occident qui toujours à bataille, alors que la Russie représente un pont entre l'Europe de l'Ouest et Asie. Maintenant, bon, l'autre gros dragon, il y a le dragon rouge, qui c'est la Chine, qui joue, je dis, paraît peut-être comme grande puissance, l'idée contrôle lui-même, la bataille pour le contrôle, toute ça, et Asie du Sud-Est. Mais pour lui, il y a contrôle, là, il y a deux pays, États-Unis, toujours utilisés pour bailler problème, pour bailler la Chine problème, qui c'est Taïwan avec Japon. Taïwan, Japon et aussi un troisième pays, je suis capable de dire tout, mais troisième pays, ça ne fait pas fin de trop considérer parce que lui-même, il y a un petit problème, pas l'a géré avec Corée du Nord qui c'est Corée du Sud. Alors, ce sont ces trois alliés-là, nous gagnons dans l'Asie, vraiment, qui, eux-mêmes, constituent un véritable instrument entre les mains de l'Occident pour être capable de contenir, ça aurait des contrecarrés, la Chine, besoin ouvrir col, patati patata. Pour la Russie lui-même, l'Orient et l'Occident utilisent les pays de l'Europe de l'Est qui entrent dans l'OTAN. À cause de l'OTAN, ils ont entré dans l'OTAN. Côté l'OTAN établit, les États-Unis établissent, ça aurait un système de défense et militaire, c'est-à-dire antimissile, pour protéger tout pays ça qui entre dans l'OTAN, tout pays ça qui entre dans l'Europe de l'Ouest, qui autrefois, durant la guerre froide, qui était appartenu avec l'URSS, journée aujourd'hui, là, tout net ça fait partie de l'OTAN pour protéger tes pays aussi avec l'OTAN en n'importe attaque. La Russie t'a fait sous Yonan, c'est avec tout l'Occident que la Russie en a fait. Maintenant, seul continent qui passe jamais ériger tête li en tant qu'une grande puissance dans planète là l'Albanie la dami c'est ça relie Afrique là. Problème là c'est que un Afrique mon problème civilisationnel pour quelle raison parce que Afrique c'est le pays qui tourne en continent qui tourne en théâtre côté que trois grandes puissances nous ont cité là-bas nous trois sphères d'influence ça c'est sous terrain ça rangé quoi. Pour quelle raison yo kembe l'Afrique comme une réserve pour yo mondial en matière de ressources naturelles en matière de matières premières. C'est l'Afrique qui l'a pour nourrir toute cette planète là, qui pour nourrir l'Occident, qui pour nourrir l'Orient, qui pour nourrir avec et la Russie avec et toute zone Europe là. Maintenant, pour qu'on comprenne bien l'objet, comprendre petit problème qui pose à yon nan élément qui bail plus problème dans planète là qui fait qu'on gagne changement en dans planète là, c'est ça relé et ressources, on sait de ressources qui rare. Par exemple, pour qu'on gagne pétrole. Les pétroles pour le là, c'était bataille qui était qu'on gagne pour l'agriculture. Parce que, avec l'arrivée de pétrole, là, pétrole là, avant de venir, t'es gagné gaz, t'es gagné charbon, c'est l'industrie qui t'est venue paraître. L'industrie en t'est venue paraître. L'industrie paraît au 19e siècle,
En Angleterre, ils ont inventé l'industrie, un processus d'industrialisation, ces pays occidentaux qui étaient faits, qui étaient commencés avant, l'Angleterre, après ça, les États-Unis prennent, et puis la France vient prendre tout le pays. Ça, industrie, révolution industrielle, ça, nous-mêmes, dans le pays Amérique, l'Afrique, nous ratons. Pays et Moyen-Orient, nous ratons. Et Haïti, avec pays Amérique du Sud, nous ratons. C'est-à-dire que révolution industrielle là, qui t'a permis que nous établissions un système économique qui industrialise, côté nous avons des industries lourdes qui permettent nous entrer dans un régime salarial ou bien un régime prolétariat, nous pas bien, nous ratons, nous perdons. Ça sont des classes prix même à faire en matière de cours, ça aurait les cours de civilisation. Pour un pile monde qui voulait comprendre, ça veut dire ça va passer à Haïti, à un petit pays de 27 000 km², qui gagne un petit régime là-dedans, qui gagne 7 et 12 millions d'habitants, nous pensons que nous ne sommes pas qu'être causés dans la planète. Là, je vais expliquer nous comment la planète là y est, comment notre bataille, pour qui raison on sait des pays qui ont décidé de Haïti, pour qui raison ils ne pas voter en pile car Haïti, depuis nous battre comme nous trois, il y a voué une anti-occupation militaire bah, pour résoudre le problème là. Et nous allons comprendre plus bien avant de retirer. Mais pour nous comprendre que les facteurs extérieurs, il faut toujours considérer les affaires et analyses. Bah, faut un rappel historique, non? Je vais identifier quelques éléments clés pour nous comprendre ce qui passe en Haïti hein, et pour qui raison aujourd'hui l'argent où elle a passé à là. Tant pis, pas oublier, continuer cher là pour moi. Tant dis non, petit bagage bien, mes chers amis. Ce n'est pas pour ça que les pays a construit, ils ont contrôlé la sphère d'influence. La sphère d'influence en matière géopolitique et stratégie joue un rôle important. Ça veut dire, la sphère d'influence, moi, c'est que si mon pays est comme les États-Unis, il faut que je contrôle, je contrôle l'Amérique latine, non? L'Amérique centrale, là, Caraïbes blancs, il faut que je contrôle ça. Pour quelle raison il faut que je contrôle? Parce que si tu as une guerre, qui passe dans la planète, là, je n'ai pas accès avec ressources. C'est dans le pays ça, pour mal puiser ressources, pour me satisfaire les besoins internes en tant que grande nation. Maintenant, le problème qui est posé, c'est même attitude ça, où elle a aussi gagné avec Poutine. Poutine a battu pour étendre sphère en Europe, mais malgré qu'il mette barrière pour monsieur, pour ne pas étendre sphère l'influence en Europe, où elle était fonti fréquent quand même, il était attaché la Crimée. Et la Crimée avec lui à travers une manifestation de Téwella côté que en face Ukraine lui prend la Crimée lui attaché avec lui même ça c'est un tir à 10 qui était fait mais nèg yo vinn comprendre ça yo metté des ça en politique de contentment pour kembe Poutine nan coup Poutine yo ça fait l'Occident pas peur Poutine yo quitter Poutine a monter tête lui c'est parce que c'est toute la Russie résumée avec Poutine. Avec dit depuis Poutine fini la Russie va retomber dans même situation qui a c'est ça fait yo make sure que toute transaction que la Russie a fait, c'est en dollars américains fait. Pas qu'une transaction, ni nek qui riche, ni Poutine, ni budget, ni budget, ni tout bagay qu'a fait. Depuis Poutine besoin acheter gaz, besoin faire whatever il dit, c'est avec le dollar américain. Qu'on y entende un petit bagay plus bien pour nous comprendre. Gyo elem, gyo bagay yo de pétrole. Pétrole la gran, puis le monde qui va comprendre ni. L'NT ou en Haïti, nous, la première crise qui va être plus gros problème en Haïti qui débouche actuellement là, c'est une crise pétrole là, nous de gain. Avec du pétrole là, nous pas jeune, nous pas distribuer en Haïti. Pour qui raison ça fait nous pas distribuer en Haïti? Parce que prix pétrole là sur marché mondial là, c'est un bagage qui très très contrôlé. Et ces pétrole là, mes amis, nous connaît deux crises pétrolières, crise 73 plus des années 70 pour vivre. Deux chocs pétroliers ça a été un pile problème, était bouleversé l'Occident et l'Occident ensemble, il était prend des mesures drastiques pour yo pas jamais quitter yo trouver dans situation ça. C'est ça pas l'expliquer crise. Nous gagne Venezuela, crise guerre en Irak nous te gagne, guerre qui gagne la Syrie là journée aujourd'hui, guerre qui fait yo met yo courir yo retirer Kadhafi dans tête Libye. Et journée jeudi à tout qui pour qui raison que aux États-Unis a joué en certaines et a bénéficié c'est lui qui a exploité et pétrole et l'Arabie Saoudite non parce que il a protégé l'Arabie Saoudite c'est-à-dire que si la garde bien États-Unis make sure qu'elle mette griffli tout côté gain ressources pétrolières pour le protéger industrie pour le en attendant que jeune ça ou l'énergie renouvelable pour capable changer dynamique là de quoi pour pas dépendre de énergie yon nan bagay pou apprendre connait. En pile moun ka fè analyse. L'Occident, lèm di l'Occident, les pays industrialisés de l'Europe, de l'Ouest, y compris les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre. L'Occident, faites attention bien. M'apre di ça pour nous encore. L'Occident toujours dépend, pi gros bagay l'Occident dépend, jounen jodi an, l'économie l'Occident dépend de ça ou le pétrole. Et quel que soit côté pétrole là, y nan planète là, yo pral de elle. M'apre di nous ça encore. Quel que soit côté pétrole là, lié dans la planète là, il y aura le DL.
Il n'y a pas besoin de caisse, sous tes souverains, sous tes états souverains, sous tes pas états souverains, sous tes dictatures, whatever. Ils disent, yo pral de yel. Parce que yo besoin de pétrole là pour l'industrie yo marché, pour machine yo roule, pour courant yo fonctionner, pour yo fonctionner, pour tout bagage yo fonctionner. Parce que l'économie, pays industrialisé, c'est sous sa rochita, yo besoin de pétrole. Mais on a un problème qui pose. La Russie, tout besoin de pétrole. La Russie a besoin de pétrole pour fonctionner. Mais pas oublier, la Russie a besoin de pétrole la Cali. La Russie a besoin de pétrole, je pas besoin de faire tout en arrière, tout ça, il y a besoin de pétrole la Cali, mais pour consommation interne. Mais la Russie aussi a une dépendance par rapport à la consommation externe. Pays qui a besoin plus de pétrole actuellement, là, le problème, c'est la Chine. Les la Chine a besoin de pétrole, il achète pétrole dans une série de pays. Les demandes de la Chine ont augmenté, il fait plus baril là, augmenter sur marché, sous planète là. Les pays de l'OPEP, malgré le Venezuela fait partie des pays de l'OPEP, mais, et la Russie aussi fait partie de lui, mais pas oublier l'importance qui gagne. À chaque fois que les pays ont décidé de monter plus de pétrole là, dans la planète là, qui ça a impact ça a gagné sur la Russie, sur le pays occident, ou bien qui ça a gagné sur l'autre pays. Il y a un plus grand problème, nous pas jamais prêter attention sur lui, nous allons arriver sur nos Haïti. Pour nous comprendre, les manifestations, pour nous comprendre pour quelle raison ils ont inscrit manifestation comme on doit en dans la Constitution. Après la guerre froide là, qui était passée, avec l'effondrement de l'URSS, un peu le monde ne comprend pas, ça m'a dit nous. Aux États-Unis, les États-Unis étaient venus clé sous lui, l'Occident était venu clé sous lui, ils ont prôné ce qu'on appelle démocratisation. Démocratisation, c'est ça, le processus qui permet à ce que nous transiter de régime dictatorial à régime démocratique. Mais pour passer de régime dictatorial à régime démocratique, il y a une période de transition. Période de transition, ça, c'est l'équipe difficile là, pour accoucher démocratie. Le plus souvent, dans la période de transition, c'est dans la période ça où tout profiter éduquer le peuple, où tout profiter éduquer le peuple, pour comprendre ça, ça veut dire démocratie, régime qu'il va entrer là-dedans. S'il ne comprend pas le régime qu'il va entrer là-dedans, il va tomber dans sa roule et anarchie. Maintenant, quel problème qui pose en Haïti? T'aimes dire nous bien pour nous comprendre quel problème qui pose en Haïti. Le problème qui pose en Haïti, c'est que un pile moun vle Jovenel Ali. Mais tout problème, non, et pas dans vle Jovenel Ali, c'est dans comment Jovenel doit aller. C'est tout problème qui pose là actuellement là, souterrain là. Tout le monde vle Jovenel Ali. Nous gardons nos manifestations faites. Petro Challenger pour la rue. Nous faisons 6-7 janvier. Nous faisons 10 juin. Nous faisons 7 juillet. Nous faisons 10 octobre. Mais nous faisons aujourd'hui là, Jovenel était là. Posez cette question. Pour quelle raison vous avez un problème sur comment vous voyez Jovenel aller? Nous d'accord, nous voulons Jovenel aller. Mais nous avons un problème qui vous dit. Comment vous voyez Jovenel aller? C'est deux façons, nous disons ça déjà. Pep, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des mondes, dans l'histoire qui existait, pas jamais voyé aucun pouvoir aller sur la terre. Ça pas jamais existé du tout. Ça aurait les peuples là. El pueblo, ça ou la population, ça va jamais voir le pouvoir aller parce que le pouvoir institutionnalisé, ça ou le pouvoir institutionnalisé, il exercer le pouvoir sur le peuple. Le peuple a été toujours un instrument. Pour quelle raison? C'est ça qui fait qu'il y a toujours une série de ressources, il y a interdit le peuple pas de avoir accès à elle. Tant qu'une éducation. Pour dominer le peuple, il faut interdire l'accès à l'éducation. Pour dominer le peuple, il faut interdire l'accès avec manger. Si le peuple trop accès à manger, c'est difficile pour manipuler. Si le peuple accès à l'éducation, c'est difficile pour manipuler. Parce qu'on a la connaissance, la comprendre comment le système fonctionne, la compter qui peut pour le jeu dans le système. L'important, le plus souvent, pour qu'un peuple pour avoir une formation limitée. Ça veut dire une formation limitée. Ou make sure au moins pour la démocratie a bien fonctionné, ou make sure que le peuple a au moins at least arrivé dans le certificat. Ou bien tout le monde à 80%, 90%, ou make sure que le peuple a arrivé dans la quatrième année fondamentale. Les mettre pas aller loin, mais ou make sure qu'il arrive dans la quatrième année fondamentale. Pour quelle raison quatrième année fondamentale là? Parce que c'est dans la période, c'est dur et ça a gagné pour bali ça a l'éducation civique, pour instruire civiquement, pour faire comprendre ça veut dire un bon citoyen, pour le capable de comprendre que, mais qui façon pour appréhender ça a le système démocratique là. Mais t'aimes dire non, petit bagaille. Pour pile monde cap tendez la journée jeudi a pas fait si analyse ça avec nous pour me comprendre. Premier bagaille pour dire, l'on pas analyser problème qui gagne actuellement là. Intérêt qui est régime ça servi. 1.
là comment c'est résoudre premier problème ça ou identifier premier facteur ça ou dit pour par exemple ou dit bon il y a un régime qui est en place mais est-ce que c'est qui est intérêt qui est stable des fois journée aujourd'hui nous est si peuple là prend la rue là mandé pour journée là fait plusieurs manifestations virer à gauche et à droite nous est monsieur rété là ça veut dire c'est pas intérêt peuple la défendre. Nous n'avons pas de problème avec ça. Ça nous clé sous l'île, il n'y a pas de défendre l'intérêt peuple. Parce que, journée et jour, toute démonstration montre noir sur blanc que le peuple a décidé pour M. Ali. En pile monde décidé. C'est-à-dire de jour en jour, Jovenel, augmentation de popularité, peuple dans l'arrière a augmenté. Mais Jovenel lui-même, qui ça qui est bien? Mais vrai problème, non. Qui intérêt Jovenel à protéger? Eh bien, tu me dis non, tu ne peux pas te faire une première réponse avec la question. Jovenel a défendu l'intérêt. Intérêt Jovenel l'a défendu, c'est ça où il est. Moun qui mette là. Moun qui mette Jovenel là, c'est Monsieur Leblanc. Pour qui raison je dis ça? Dans un pays sous-développé, pas jamais une élection. Est-ce que nous avons des gens qui nous disent? Dans un pays sous-développé, pas jamais une élection. Il y a des gens qui parlent de nous. Ça veut dire dans un pays sous-développé, pas jamais une élection. Dans un pays sous-développé, pays pauvre, pas qu'à une élection. Pour qui raison pas qu'à une élection? Élection gagne un coût. Toute élection qui fait dans un pays sous-développé, il y a un coût financier. Nous n'avons pas les infrastructures nécessaires pour nous faire démo, pour nous faire élection. Parce que l'élection coûte, un paquet d'argent. Tendez bien. L'élection coûte comme qui est-ce qui peut financer l'élection? C'est ça où il est, organisation internationale, OEA, ONU. Il y a l'argent pour l'élection faite. Les États-Unis, à travers le département d'État, ils ont fait élection pour le peuple. Gros intérêt américain. L'Occident gagne pour le financer l'élection. Pour qui raison? C'est normal. Parce que c'est lui qui vient avec le processus de démocratisation. C'est lui qui impose nous démocratie. Donc, s'il impose nous démocratie, qui explique un régime, un modèle de gouvernement, nous devons gagner pour nous vivre dans un pays. C'est-à-dire que lui doit aussi nous les moyens pour le modèle s'implanter. Maintenant, si nous avons implanté le modèle, ça là, pays pauvre, nous n'avons pas une bonne économie pour nous financer l'élection. Nous t'as dit nous avons indépendance, nous pas gagner parler de indépendance parce que nous pas gagner indépendance économique. Pour nous te gagner indépendance économique, pour nous te financer élection ça ou les démocraties, faut économie nous ont été fort, faut économie nous ont été bien marché, faut économie faut des produits, faut des production nationale nous ont été solide, faut pas dépendre de l'étranger, faut l'état te rentrer en pile l'argent, faut l'état pas de déficit budgétaire qui est extrêmement high, faut l'état te gagner ressources inoff pour l'état te dit OK, mais élection ça pas fait là, l'état t'a financé. Ça ou les partis politiques yo, l'État a chaque fois élection par venir, l'État a financé partis politiques yo pour mener campagne électorale yo, l'État a permettre à ce que l'État organise l'élection, mais l'État pas gain ressources pour ça. L'État haïtien pas gain l'argent parce que son l'État pauvre lié, son l'État qui en faillite, l'État pas même carré plus fonction par yo, voit pour l'État t'a financé élection. Ça veut dire premier problème qui posé, moun qui finance élection, c'est lit accoucher président Bijan. Est-ce que nous te dit ça me va dire encore? Pour moun ki pa comprenne. Moun ki finance élection là. Lò va faire élection, ko total prend l'argent pour faire élection. M pa parler de campagne non. Fait très attention. Des campagne électorale, des élections. C'est-à-dire élection c'est processus dans système là. C'est-à-dire mécanisme qui permet ou conquérir pouvoir. Moun ki finance là. Moun ki établi là. Moun ki bay l'argent pour faire nan bureau de vote, pour faire installation, pour faire tout bagage ça yo, c'est lui-même qui gagne contrôle. Exit là. Pas de nèg qui va mettre l'argent. Aucun pays qui va mettre l'argent pour financer un système démocratique dans un pays. Et puis, il s'attendait à la tout pour ne pas gagner contrôle à out comme ça. Non. La mec chou qui a gagné contrôle à out comme ça. Ça me dit à out comme ça. Ça aurait les résultats. Premier bagage que vous faites, vous avez contrôle, ça aurait les CEPA. CEPA, ça veut dire, ça ou le conseil électoral provisoire ou bien conseil électoral permanent. C'est un bagaille qui est un grand pays, vous avez chou, l'Occident, vous avez toujours gagné contrôle. Parce que c'est le dernier mois. Moun sa yo, depuis yon allant élection avec un moun, yon quitte tout reste moun allant élection, mais à la fin, c'est yon qui décide. C'est yon qui décide avec CEPA qui est-ce qui pour aller dans le deuxième tour, qui est-ce qui pour président. Et c'est ça que vous avez, c'est candidat par yon qui a passé. Ça, c'est le premier élément à identifier avec nous. Deuxième élément, je vais avec nous. Question campagne. Campagne électorale. Nous voyons que, laissez pas blanc toujours mette avec bourgeoisie haïtienne. Pour choisir personnel politique là. Oh, ça, non plus, je ne comprends pas ce que je dis. Je vais le dire, ça me va le dire non.
Occident toujours mette avec bourgeoisie en dedans pays d'Haïti pour yo choisir personnel politique là. Ça ça veut dire personnel politique là yo toujours renouvelé dans classe moyenne là. Classe populaire, classe moyenne ou bien classe populaire. Comment yo fait sélection ça? Nèg qui parle dans campagne pas jamais gagne l'argent vrai. Nèg yo choisi pour aller dans campagne pas gagne l'argent. Ça ça nèg yo fait. Parti politique qui existe sous terrain hein. Yo gagne des acquaintances que yo fait. Gen des acquaintances, gen des petits accords yo fait, petits contrats tacites yo fait avec des secteurs dans vie dans bourgeoisie pour financer yo. Si c'est pas l'argent drogue qui finance yo, c'est l'argent bourgeoisie qui finance yo. Tendez bien ça me dit, si c'est pas l'argent drogue qui finance parti politique yo pour yo aller en campagne électorale, c'est l'argent bourgeoisie qui finance yo. Maintenant attendez bien. Laissez l'argent bourgeoisie, nèg yo gon gros risque dans de l'argent ça yo. Si c'est l'argent drogue là qui finance yo, li gen risque la donne. Parce que diye a veyo, tôt ou tard y a mari ou. Tôt ou tard y a mari ou. C'est ça fait ou te mari Guy Philippe. C'est ça fait ou te mari et sénateur et yon sénateur Lavalasou qui t'a passé 4 ans aux États-Unis. Yo mari ou. Tendez bien, si c'est pour drogue la, drogue la gen trop gros risque la donne. Mais l'argent bourgeois c'est kankou l'argent chambolie, l'argent champouel. Tendez bien, c'est kankou l'argent champouel li. Nèg la bourgeoisie a mais comment elle fonctionne. Blanc dit même moun mwen besoin. Blanc dit même moun mwen besoin. Yo y a chita, les élections y a chita avec blanc en dedans ambassade américaine, yo décider qui potentiel candidat qui gagne pour blanc avec bourgeoisie ta camper d'elle. Et puis les d'accord sous lui et puis s'entendre à la tout, yo dit bon, mais comment nous va séparer bagarre là. Tendez bien pour moun ka comprendre. Pour nous attendre mieux bien pour nous comprendre. Mais comment nous allons séparer? Yo paraît que marché de ça. Attendez bien. Yo marché des grains ouais, ils vont faire. Yo marché des grains ça. Yo propose de diviser. N'est qu'à aller pour la valation, nous pas comprendre ça m'a dire. C'est ça fait progon, faut gon radiographie clair qui fait des bourgeoisie haïtienne. Les situations ça arrivé. On pas le gain deux secteurs en dedans bourgeoisie. Deux secteurs en dedans bourgeoisie, ZPT en Rio. Les deux élections. Qui secteur yo? C'est secteur yo relé. Si au Libanais, si au Libanais juif là, avec secteur yo relé, secteur Milan là. Mon cher Tibana, ça gon rappel historique, nous te mettons ti données sous page moi pour un pile monde qui te capable comprendre un ti rappel historique, nous te fait des racines problème ça là. Si au Libanais yo même juif yo, yo vinn concurrencer Milan sur terrain parce que avant débarquement américain en 1915, c'était mille acteurs qui ont fait des faits sous terrain, sous territoire. C'est eux qui ont pété le monde, qui ont fait puis gros alliés qui ont gagné, c'est travail l'Europe qui a fait. Mais avec l'arrivée des États-Unis en Haïti, donné à changer, ZPT, ils ont relégué les gens de côté, et puis sortant de là, tout une nouvelle classe politique qui vient, une nouvelle classe bourgeoise qui vient montrer que les au Libanais, qui sorti en Libye, qui passe aux États-Unis, qui naturalise américain et qui puis entre en Haïti, et puis c'est yo que les États-Unis peuvent utiliser pour contrecarrer l'influence au moyen et l'Europe en Haïti. Tandis que ça va bien là, nous parlons de période guerre froide. Maintenant, l'arrivée dans la situation ça là, je dis, des nègres ça yo, des groupes ça yo, des catégories ça yo, on est dans bourgeoisie. Ça a eu les mulats là avec si au Libanais. Les mulats là senti Américains voulaient entrer pour trop contrôle sous lui. Où on s'en fait? Ils utilisaient une idéologie ou les nationalistes. Idéologie nationaliste. Et puis ils s'entendent. Où on est? Où pas une idéologie noiriste? C'est mulats qui ont utilisé la nation comme instrument pour être capable de faire peuple dans la rue. C'est ça qui a été utilisé en 1934. Yo te utilisé l'idéologie nationaliste pour être capable de pousser le peuple à revendication pour voyer et blanc américain aller. Mais ça, c'est l'intérêt seulement menacé. Oui, Mila qui fait appel avec l'idéologie nationaliste. Mais depuis, l'intérêt ou pas menacé. Yo don't give a fuck about l'idéologie nationaliste, propose nationaliste, patriotique bullshit. Yo pas comme patriotique bullshit. Là, non, yo pas comme non. Maintenant, mon deuxième catégorie, c'est nèg sa yo di valier pas comprendre game nan comme di valier était venu étudier ici
Les Duval est fin étudier santé publique ici, yo voye en Haïti, avec un programme et États-Unis gain qui finance l'algétire puis en pied monde. Et puis qu'on y a monsieur vin paraître comme un potentiel candidat. États-Unis soutenir monsieur dans l'élection et puis monsieur passé. Donc pile monde qui pas de comprendre, pas de connaître si et Duvalier c'était CIA LD. Duvalier c'était bon agent LD. Là monsieur arrivé. Yo utiliser monsieur. Yo fait monsieur passé. Là on fait monsieur passé, qui ça passé d'après eux même. Qu'on y a monsieur lui-même, yo pas l'utiliser monsieur pour le faire classe si au Libanais camper en face. Mulatio. C'est-à-dire qu'il y a une alliance qui va le faire. Entre l'idéologie noire, que Duvalier, nègre, les griots, va l'utiliser comme instrument pour qu'il y ait une masse pep noire en bas de griffio, régime Duvalier, il va l'utiliser l'idéologie noire, non seulement pour prendre pouvoir, mais aussi pour qu'il y ait une masse pep là derrière, contrairement avec Milat, qui toujours utilise l'idéologie nationaliste, nègre noir, classement noir, lui-même va l'utiliser noir, c'est-à-dire couleur pour noir, pour contrecarrer. Mais en même temps, fait, plus gros temps, monsieur fait, parce que monsieur pas bien choix tout, plus gros temps, monsieur fait nous, en tant que peuple noir, petit nègre noir, monsieur pas jamais arrivé créer sa relève en bourgeoisie noire. Ça, monsieur fait, mais ce n'est pas faute du tout, c'est travail blanc, il l'a fait. Ça, monsieur, ça, on dit, monsieur, pour le faire, il fait monsieur propulser. Si au Libanais, négocier des petits commerces, hein, s'entendez à la tout, Duvalier by Negio, rete comme ça, Duvalier by Negio, gros entreprise publique pour Ogiri. Negio, vous prenez gros entreprise, vous prenez cimenterie, vous prenez canasse, tout gros entreprise publique, c'est Negio qui gagne contrôle. Maintenant, qui ça vient de passer? Tout le monde dit Duvalier son régime dictatorial. Non, Duvalier n'est pas un régime dictatorial. C'est blanc qui veut Duvalier un régime dictatorial. C'est blanc américain qui veut Duvalier dictateur. Depuis blanc, le dictateur n'est pas un dictateur. Pour blanc, il y a intérêt pour Duvalier de dictateur. Parce que blanc, il y a une menace que le tabac pour le protéger. Et dictature était bon pour lui à l'époque. Il met chou qu'elle soutenait dictature. Pour quelle raison soutenait dictature Duvalier? Parce qu'elle était un avantage blanc. Blanc, pas voulait que. Si messieurs communistes, on va relayer des pestes à l'époque qui parlent en Afrique, qui parlent au Cuba, les pas voulaient influencer Cuba à travers les communistes, que Cuba ont financé, Fidel Castro ont financé en Haïti, parti communiste. Eh bien, Américains ont utilisé, dans la période de guerre froide, le régime d'Ivalia pour contrecarrer ça, les Kramokéens, pour contrecarrer ça, les communistes. Eh bien, c'est ça que fait Duvalier. T'as fait travail blanc américain, t'es qu'un bébé, Duvalier souterrain parce qu'il t'a servi intérêt l'Occident. Et en retour, blanc dit monsieur, n'a qu'un beau pouvoir, mettez pas ton amour d'abord au foquet, crassez mon d'un idéologie communiste, depuis cette petite tête pétée qui vient avec communiste, foutre cartouche dans le monde, tirez-le, mettez-le en prison, parce que vous n'avez pas de communiste dans ta honne. Parce que les États-Unis étaient clairs sur un principe, ils ne parlent pas de communiste, même si ça a été arrivé à la révolution cubaine. La révolution cubaine était un traumatisme pour les États-Unis, que les États-Unis étaient considérés comme fréquents qui fait. Non, son gros fréquent qui fait non, dans le continent, parce que le continent doit être capitaliste net. Amérique est clair sur lui, le continent doit être capitaliste net. Idéologie capitaliste, ça c'est lui qui doit contrôler le continent américain. Affaire communiste, non, radote. Fréquence qui fait avec la révolution cubaine, non, pour faire les États-Unis viennent beaucoup plus dur. Les soutenir Pinochet et au Chili. Les soutenir toute dictature en Amérique latine, non. Les soutenir Duvalier pour le contrecarrer avec sa régime communiste. Maintenant, problème qui va gagner, n'est pas le pré-exil. Il n'y a pas l'exil de tous les communistes. En plus, l'intellectuel va le parti. C'est là qu'il y a un coucher à Pierre-Charles, ou pas un paquet de parti qui quitte le pays. René Debes, pas le grand marron, il va le réfugier au Mexique. La majorité de ça, communiste, idéologie communiste, n'est ça va le réfugier en Amérique latine. Parce que l'Amérique latine, c'est bastion côté que l'idéologie communiste, il va recevoir en pile dans l'Amérique latine. Tout ça, c'est travail Cuba. Travail Cuba, le avant, tu as vu le Mexique qui va venir prendre, ou pas les Sandini qui va retourner avec bagaille ça et tout, et Nicaragua,
Ça veut dire l'on histoire Amérique latine, non, pas venir comprendre pour qui raison les États-Unis griffent aussi pointu comme ça pour le contrôle Amérique latine, pour créer tout parce qu'elle besoin que Benex ayo en bas griffe pour le contrôle toute Amérique latine et Caraïbes. Maintenant qui s'est passé, l'on contrôle petit pays, l'on contrôle régime politique là. C'est ça, et ça américain veut. Il finit avec démocratie, l'elfine effondré de l'USSS. L'USSS finit effondré en 1989, New Berlin est tombé, les New Berlin est tombé. M'a dit nous ça, qu'on y a américain changé politique étrangère. Qu'on y a un seul discours lien, il va dans dictature encore, c'est démocratie, démocratie à gauche, démocratie à droite. Et puis il y a un autre élément qui va entrer dans le jouet là, ajouté avec la démocratie, avec Duvalier. C'est l'élément qui est l'église catholique. Non. L'église catholique qui a un problème avec les communistes dans tout, parce que tu as une idéologie, l'idée, la théologie de la libération. Théologie de libération entrée dans l'église, il saccage l'église catholique tête en bas. Surtout en Amérique latine, l'église catholique, les saints papes gardés. Avec Opus Dei, laissez pas regarder lui, ouais, nèg théologie libérale, ça y est, après entrer dans l'Amérique latine, yo commence à gagner contrôle l'Amérique latine, l'église garde ouais, l'église marie quand nous brûlions avec Washington, lui dit Washington, Vatican met tête à Washington, lui dit Washington, faut nous décider en situation, oui, qu'on y a ce temps de là, les papes mettent tête libérée, et puis les papes accompagnent les États-Unis dans le processus de démocratisation. Ça n'est pas fait, les papes commencent à faire tourner en Amérique latine. Après comme ça, messieurs Sayo, tant que les papes, là où ils sont déplacés, ou pas déplacés, vous grand messie. Là où ils sont déplacés, connaissez l'ordre mondial qui va changer. Depuis où ils sont déplacés, connaissez l'ordre mondial qui va changer. Régime nan qui pral tomber, système nan qui pral jambadi. Eh bien, les papes commencent à faire tourner dans toute Amérique latine. Nan. Et puis, s'entendez à la tour, les papes descendent en Haïti sous le régime d'Ivalia. Biou! Mission, ils descendent, bon! Et puis, il dit, on ti discours. Il dit, faut qu'il y ait un changement qui fait. Oh oh, si discours ça mis c'est fait là, Zimpété, Michel Bennett un bon catholique, Monseigneur, comment on te quitte tonton, Monseigneur Ligondé, qui c'est tonton et Michel Bennett, gétant comprendre bagala, l'église catholique automatiquement gétant la guerre régime d'Ivalia, Zimpété, et puis deux jours arrêté, autant de 86, boum, d'Ivalia ali. C'est deux bagages qui vous d'Ivalia ali. États-Unis m'ont des démocratisations. Avait dit yo la guerre régime non c'est démocratie yo pas dans dictature encore avait dit depuis Blandou li pas dans dictature get the fuck out of here yo pas besoin pas que bagage allez deuxième bagage qui gagne c'est l'église catholique. L'église catholique c'est une institution qui gagne contrôle l'esprit en pile monde dans Amérique latine et puis avec en Haïti s'entendait à la tour depuis l'église visitée. Mon, le Saint-Père visité en Haïti Zimpété lui dit faut bagage changer. Zanmin kovle le poivre, toute hiérarchie l'église catholique pour le travail pour bagay changer. Eh bien, c'est ça le régime d'Ivalier. Mais pas occupé mon capidou, pep te prend la rue, pep fait mouvement social 86 bullshit. Pas occupé. Depuis grand gros oiseau ça, Occident, yon mette occupant de mettre griffes sur. Depuis pour qu'on veut lever zelou, on maille pour pas lever zelou. Maintenant, en dedans de bien, qu'on y a que ça peut passer. Nous faisons 86, yo dit nous faisons 86. Historien, yo écrit nous faisons 86. Tout le monde qui était en dehors, pays a retourné en Haïti. Boum, nous faisons élection. Qu'on y a l'armée là pour assurer transition. Les l'armée a assuré transition, l'armée obligée, peuple a mandé pour le bâton de l'anarchie, l'armée a pété bounda, peuple a coup de bâton pour faire élection. Ils font élection tête. Ils font élection tête chargée. Non, ils font élection tête chargée, boum. Et puis dans l'élection tête chargée, le frère nous tourne du massacre vaillant. Qui est-ce qui mettait dans le pouvoir? Qui était plus intelligent? Parce que le plus malin passé le monde, c'est Leslie Maniga. Leslie Maniga, on est intelligent, quand l'école qui forme et qui fait ça, bon professeur, il quitte dans le fils joué, qu'on a le conseil malin. Il prend le pouvoir, il fait une élection. Tout le monde, c'est Google, tout le peuple, c'est Google, il fait un coup de guido, pim! Il a le pouvoir, non mais, la mais, il a le pouvoir, non mais, Maniga. Maniga tellement content, Maniga a monté au pouvoir. Quand il y a les Maniga monté au pouvoir, Maniga, c'est le chef vrai, mais Maniga pas comprendre où étudier sciences politiques. Ça, Maniga pas comprendre où étudier sciences politiques.
Ça veut dire étudier dimension théorique de la politique. Mais Nanfi, c'est un praticien du politique. Ça, ça veut dire ça, Nanfi, qui contrôle l'appareil, l'État, lui, comment manœuvre. Là, c'est-à-dire, Nanfi lui-même, c'est la pratique. C'est l'art politique. Nanfi, comme qui pion pour le déplacer, pour jouer un tel résultat. Mais ou même, c'est science non étudiée. Les mystères venant en tête d'État, l'oublier, pouvoir entrer dans la tête lui. Les mystères venant en tête d'État, monsieur, oh, gain, 3 mois, ça, oh, monsieur dit, oh, faut maintenant, il fait arrêter Nanfi, maintenant, finir résidence civile. Il s'est fou. Quand il y a là, on dit, oh, comme ça, il y a mon pouvoir comme ça. La même pouvoir pour faire une bêtise comme un gros chef. Ou qu'on est qui met là dedans. C'est un gros, il faut mission coup d'état. Biou! C'est un dia là, c'est pété. Même les qui te met là, il faut respecter les qui te met là. Même les qui te met là, qui te bouille l'élection de métro là, c'est lui-même encore qui fout retirer le monde. Si tu es pété, il faut émisser à l'chita en côté. Bon, il y a une chose qui vient, il va tirer émisser. Il faut émisser parti. Bon, c'est un dia là tout, masse peuple là. Comment se mobiliser pour l'autre élection? Zépété, continue à bagaille. Laisse à Aristide à manger, Grenier. Bloum, élection faite. L'élection faite en 1999, qui? 91, qui est-ce qui passe? Aristide passe. Bon, c'est une anomalie. Anomalie politique, parce que qui est-ce qui te finance l'élection? Blanc, anomalie politique. Blanc finance l'élection, peuple haïtien avec un politicien, fait encore qu'il puisse passer sous blanc. Qui ça ne veut faire? FNCDO mettez prend popularité, masse peuple là. Vous l'avez dans le monde d'Aristide, vous l'avez pour Aristide, pour Aristide, vous l'avez pété, vous mettez le devant, vous utilisez Aristide dans le FNCDO, utilisez Aristide, et puis, quoi qualité, tout le monde fait, quoi qualité Aristide, boum, vous avez l'élection 91 ans. Et puis Aristide passe, tout le monde content, tout le monde content. Bon, peuple n'a pas dit rien, mais blanc a regardé, blanc avec bourgeoisie a regardé Aristide avant, on tige intelligent. Mais, bon discours, monsieur Bagien, qui parle de peuple en pile problème, qui parle de blanc avec bourgeois en pile problème. On discours n'est grand, on n'est grand, on discours de l'honneur, wash pas qu'on glue, wash dans le soleil, pas qu'on glue, wash en bas, wash dans l'eau, et pas t'y causer, tête chargée. Discours a commencé mal résonné dans un oreille blanc avec bourgeois. Bourgeois a dit, ah, c'est avec nous, ici à parler, la fin de nos résolutions. Mais ça, Aristide blié, même les sons de gauche liés, Aristide blié que l'institution régalienne, qui c'est l'armée, ses bras. Bourgeoisie avec États-Unis, parce que tout gros état-major, l'armée d'Haïti, c'est CIA, faut y'a blanc information depuis les Américains qui entrent en Haïti, c'est eux former et monsieur Sayo, tout gros état-major, l'armée net, tout gros état-major, c'est pour Américains qui travaillent. Pas de mentir là-dedans, faut bailler information, faut bailler rapport, faut bailler tout le bagage qu'a fait, faut bailler CIA, dernière trace. Mes chers amis, Aristide pense qu'il finit, il veut bien prépa, vel finao, yo, finan, moi fin zel pousse, finan la bloc. Et puis blanc bagarre, monsieur, et puis non cuisine, yo décide, yo dit bah mission petit coup d'état, bah, et puis yo conciliation, yo utilise même nek monsieur te gagne d'aide, yo te campé gros généraux, te promote, vin campé bon côté, yo décide, yo fout mission coup d'état, biou! Bon, s'entendez là, yo casse un mouvement révolutionnaire, yo casse un mouvement social. Yo casser un mouvement de gauche, on est depuis au coupé tête coulève là, bunda coulève là, li met bat col, bouda coulève là, mouri. S'entendez à la tout, yo voye Aristide aller pays chaud. On y a s'entendez à nous parler ça on est 3 ans putschiste. Putschiste ça on est un régime militaire de facto. Régime militaire de facto, c'est-à-dire c'est un régime qui fout un coup, régime démocratiquement élu en coup d'état, et puis qu'on y a un régime sali pour pouvoir, qu'on y a ses libres à assurer. C'est les sagonti tête pété yo terre les toto constant. Toto Constant va mettre en place sur les frappes. Et c'est là que nous, pas oublier, Matéli, c'était mon frappe, il était tout. Michel Matéli, c'était mon frappe, Matéli, t'es fonti passer dans les militaires. Non, académie militaire, mais monsieur pas traité dans l'académie militaire, t'es fou, monsieur, dans l'académie militaire. Eh bien, c'est ça que fait monsieur son qui toujours bon penchant droit. C'est-à-dire, idéologie traverse, monsieur son idéologie de droite, ou idéologie qui a un caractère régalien, c'est-à-dire, c'est l'ordre sécurité, bagage, ça toujours taxé, monsieur. Maintenant, entendez bien pour me comprendre. Là, vous faites monsieur coup d'État, on y a là 3 ans. On est bon seul qui a fait là, où est Tonton Constant. Mais Tonton Constant, tout le monde, tout est peuple à regarder vidéo, pour peuple à marcher de Tonton Constant. C'est Tonton Constant. Mais pas de monde qui connaît si Tonton Constant, c'est agence CIA, non? Mais tout le monde connaît Tonton Constant. Mais depuis c'est agence CIA, il n'y a pas qu'à venir président. Parce qu'il y a un bon job spécifique. Qu'on y a Toto Constant pour celle qui a vu le président, fait ma carte, c'est là, vient entre, vient faire ceci, c'est là, vient bagarre. Oh bon!
J'entends à la tout pendant Aristide l'autre bord, communauté internationale, la mobiliser, diaspora. C'est ça que faut la valance de respecter diaspora. Diaspora haïtien aux États-Unis d'Amérique, la France, Canada, mobiliser rien pour rien. Pour foutre pression sur l'Occident, les diasporas dans tout l'Occident, haïtien, c'est quoi l'Occident? Yo campé d'Aristide, manifestation devant l'ONU, manifestation Washington, manifestation pour Aristide Touné. Et puis, si vous entendez là, les pressions faites, l'ONU, tout pays campé, mobilisation faite, les pays de l'Afrique, campé pour dire Aristide Touné, boum, et puis vous voyez Aristide Touné. Les Aristide, après Touné, ils sont obligés de négocier avec Aristide. Et à faire m'dou, si t'es pété, ou t'as calé quoi là dans le régime PHTK, on a le tête pété, n'est-ce pas? Yo, yé, mener Aristide Touné. C'est grâce au état-major qui a négocié des départ aux États-Unis, la Washington et New York. Négo, make sure que yo garanti que 26 nègres dans l'état-major qui jouent exil avec toute masse l'argent dans le monde. Yo signé ça. Eh bien, négo, jeune exil. Et puis, comment ça va faire? Yo lage, yo fin signé au état-major, yo assure le bon tête, yo d'autre bord. Et puis, on a tout le reste net qui t'a dans frappe, tout le reste qui t'a fait maca, qui t'a tiré, peuple a crasé, peuple a fait bagaille cocorate, on a tout dans couille. Oh, oh, Aristide Touné Blo, c'est grâce pour un 26 négavel qui t'a bagaille, yo l'a mis de quoi au dehors, laissez grâce mettre quoi au dehors, petit garçon, qu'on y a tout le net qui t'a. Tout nèg qui t'a papillé régime, c'est grâce à un régime poutiste qui t'est souterrain dans quartier autorité, tout nèg dans maon. Nèg qui délague au Saint-Domingue, ou pas bien viseur, pas bien bagaille, ou pas te connaître, ou petit soldat, tête pété, c'est au plus fréquent, yot plus ouvert col. Yo bagaille, yo et yo devant bon nan, yo bagaille aucun pouvoir non, mais yo non malgré peuple. Et bien peuple a commencé à bouler quelques mots de fouque, qui t'a remis de yo, qui t'a fait ceci, cela. Père, fais pas ici, pas vraiment prendre, yo sort. On prend tout le qui t'a bail problème, yo couper tête, yo bouler, yo jessouke, yo lagé, yo nan courri, et puis s'entend de Aristide Touné. Mais yon bagay oublié. Qui est-ce qui te mène à Aristide Touné? Et peuple qui te mène à Aristide Touné, blanc mène Touné. Si blanc pas de mène Touné, va la mène Touné. Et ça m'a permis entre nous pour nous comprendre que gonse de données fond qu'on est. Faut l'aime comprendre la réalité politique pays, y'en a comprendre que grand pile moun se macaque à faire nous faire. Les blancs mènent Monsieur Touné, blanc bail ici un agenda. Blanc banan kaka avo, blanc ba misye yon agenda. Lèl bo agenda lè di dou men on mach a suivre. A fè bagay negan ou negan ba bullshit sa fini. A fè bagay wa vin parler contre l'Occident, bullshit sa fini. A fè bagay wa vin fè radot lin se si se la bagay communiste pété bagay bullshit sa fini. Et puis misye vini yo balon garanti yo di ok pa gen problème ou écrasé la mi meton police. Eh bien, vous mettez en police pour qu'ils raison craser l'armée parce que c'est blanc qui fait l'armée, c'est blanc qui a payé l'armée de l'armée. So, ce qu'on y a là, c'est mettre ça en place, yon régime, yon police intérimaire. Qui est-ce qui t'a entraîné la police intérimaire? Blanc encore. Qui est-ce qui t'a financé la police intérimaire? Blanc encore. 60% du budget de l'État ici, c'est blanc qui finance. C'est narcissiste à nous. Qu'on y a frappé, qu'on nous relève. Non! Sous régime Aristide, c'est les politique néolibérale là implanté plus en Haïti. Et tarif douane nous descend à 0 à 3%. Il passe de 30 à 3%. Sous régime, parce que c'est politique néolibérale là. C'est les ça. C'est politique ça, agenda ça, que FMI, Banque mondiale. Avec et tout Washington, là, ça qui te gagne en tête, Bill Clinton, pral bail Aristide, et c'est ça qui va faire production nationale, non, pral commence à écraser net, il commence à écraser depuis sous FNC et sous régime putschiste, l'arrivée sous Aristide, l'Aristide a tourné, qu'on y a politique néolibérale, la vine posée sous nous net, qu'on y a production nationale, non, écrasé net, qui ça plus belle dans tout bagarre là? Et pas seulement production nationale qui écrase, non, bourgeoisie haïtienne tellement intelligent, les hauts suspects, yo web. Et tarif douanier payant baissé à 3%, nèg yo dit oh si tarif douanier payant baissé à 3%, Aristide accepte bêtise ça, nous pas gagne intérêt pour investir dans production nationale encore. Et bien ça nèg yo fait, nèg yo métamorphosé. Qui ça nèg yo, ça ça veut dire métamorphosia, nèg yo changer politique économique yo. Et Paul, quand il y a négo entré sa relais dans la politique, il a fait pour économie d'importation. C'est-à-dire, au lieu de négo investir dans la production nationale, parce que négo garde tout le bagage privatisé,
tout bien l'État a privatisé, toute entreprise publique qui était nationalisée a privatisé, nèg yo investi dans entreprise publique yo ou yo acheté entreprise et capital dans entreprise publique et puis ça yo fait yo acheté marchandises à l'étranger vinn vendre dedans pays. Et bien depuis les ça économie pays a commencé à effondrer, entrer dans pauvreté, nous dollar la et goutte nan commencé perdre valeur, l'argent haïtien commencé perdre valeur sous terre. T'aime dit non petit bagage pour pile monde cap tande. Les nous choisis, les nous retenons tout à coup, il dit comme si oui, faut Jovenel aller. Et nous t'aimons Jovenel. Et nous t'aimons Jovenel. Mais l'affaire qui pouvait nous prendre appel. Et nous t'aimons Jovenel. Si pas nous t'aimons Jovenel. Si c'est nous t'aimons Jovenel. Ok. Si c'est notre Jovenel, il n'y a aucun problème, pays à craser. Nous avons pas mettre boule, pays à Jovenel, donc il faut faire. Jovenel connaît son monde qui mettait là. Et si monsieur ta montre pour une intention un jour pour le démissionner, même les gens qui ont mangé dans le balai encore, oui. En nous, c'est monsieur qui a fait ça. Donc, si Jovenel est allé bon matin, il dit, oh, oui, il a cassé ça, comme s'il gagne droit, il dit, oh, ben, bon monsieur, m'a démissionné, m'a baissé ça, bla. Il a mangé le sous-place, lui. Il n'a pas de droit ça, non? C'est une anecdote pour dire, mon cher, où ça se passe, moment arrivé là, mon cher, bon, il est pour aller. Pour Blanc faire ça, faut Blanc qui est un jeune homme pour le remplacer Jovenel, lui. Pour assurer la transition. Tant des oppositions finalement à faire commission à droite, commission à gauche, commission tête pétée, commission ceci. Vous pensez qu'il y a le pouvoir. Blanc va le pouvoir. Ou fou même. Blanc. Eh bien, peut-être pas. Pour qui sont pensé penser blanc qui est un journal là, toujours quitter la fait maca. Blanc va le pouvoir. En blanc va le pouvoir transition. Souvent c'est blanc va le pouvoir transition à réfléchir en 2004. Ou quand blanc a fait, blanc va mettre chou libre, lui propose libre président. Il n'y a pas de propose du bon président qui va sortir dans un coup de cassation. Il n'y a pas de propose du bon président qui va sortir dans un juge dans coup de cassation. Tout juge de cassation blanc qui contrôle dernière classe. Depuis, d'ailleurs, avant de ça, depuis un juge en Haïti qui est arrivé dans un nommé dans un coup de cassation, il y a une protection blanc américain, blanc qui contrôle ça. Blanc qui contrôle ça. C'est ça, Yorele, je vais expliquer nous ça pour nous comprendre. Yorele, ça, leadership. Targeting, leadership targeting, c'est-à-dire mon pays, tout le monde qui occupe fonction leadership, tout est qui est dans telle institution, yo, blanc mec sur le contrôle, tout n'est ça, yo, yo, le leadership targeting, avec dit yo target tout leader yo en dedans telle institution, yo, yo gen nom, yo gen donné, yo gen photo, yo gen parcours, yo gen dossier, yo gen tout action volée, yo fait tout crime yo commet, comment yo fait arriver blanc, gen dossier dernière classe. Quand y a l'air de vous choisir dans trois nègres pour bailler un juge qui pouvait venir président. Quand y a un même moment, c'est travail pour lui pour faire l'air président. Ou rien. Ou à chirer. Parce que nègres ça, y'a choisi. On l'a choisi. Nègres ça, t'es gêné dans un petit roi blanc. L'après, c'est un coup de fil. Et puis là, y'a un gros blanc qui vient visiter la Cali qui va dire mes agendas, mais comment on doit fonctionner. Payons, pas de mentir là-dedans. Et puis, deuxième bagaille, ministre. Nous allons demander des pots aux fois ministre en sortie dans l'opposition. Ministre sorti dans l'opposition, n'oubliez côté ministre qui est sorti, et comment monsieur est là, et en 2004, n'oubliez côté Gérald Attenti qui est sorti. Yo sota Gérald Attenti, yo la gueule la figue nous, biou! Et puis tout le monde ferme dans yon. Convergence ferme dans yon, tout groupe 84 ferme dans yon, parce que c'est blanc métal, tout le monde, tout caca ou ta fait dans la rue, fait manifestation, j'en bon, yeah, yon se fait caca, blanc montre ou, c'est lui qui contrôle les têtes là, ou même ou c'est Kéa, ou mette pique, ou mette agité quoi. Et puis j'entendais à la tour, il mette le premier ministre. Depuis qu'il mette le premier ministre, il prend le contrôle primatia, il prend le contrôle et palais. On met fait ça avec le ministère. Malgré ça, tout le contrôle ministère. Parce que comment on va faire le contrôle ministère? Parce qu'il y a des programmes que le financeur est dans le ministère, à travers NUD, à travers l'ambassade américaine. C'est là que ça doit être contrôle. Il prend le contrôle ministère. Quand y a la sortie à la tour, quand y a l'autant de transition, bah, fait, bon, c'est pour peuple qui va le travail, système qui va le chambaber, bien menti, parce que quand on confuse ou confond un régime avec un système. Un régime politique n'est pas un système politique. Un régime politique, c'est un régime politique, ça a un rapport avec le modèle, mode d'organisation du pouvoir. C'est sa constitution garantie. C'est à travers la constitution qui parle d'où qui régime politique ou gagne. Mais, l'on parle de système politique. Ou bien trois éléments pour considérer, trois éléments internes, ou bien modèle d'organisation économique là,
ou gen modèle d'organisation société a et pour gen régime politique là. C'est-à-dire si ou a parlé de système ou attaquer seulement régime politique là ou chiré parce que ou quitter deux l'autre derrière ou quitter ça plus important quitter le modèle organisation économique là. Base économique l'on quitte. Avec dit soit parler de système politique ou quitter économie pays à janvier là. C'est-à-dire quitter mon même modèle capitaliste rouge qui a fonctionné ou beaucoup à parler de système. Deuxième élément, élément ça relève base sociale là, c'est-à-dire mentalité là, ça relève culture qui est là, conscience peuple là, ça relève, en d'autres termes paradigme, là, vision, schéma culturel, là, mentalité là, tout élément ça c'est le plus dur, c'est le qui plus dur dans le système là. Ça veut dire, l'on a trois éléments ça, votre là, qui c'est économie. Mental là, qui c'est mentalité, c'est-à-dire aspect, dimension culturelle, la valeur, principe moral, principe spirituel, qui permettent nous comporter nous en telle façon, qui yon un élément, ça aurait les éléments cognitifs là, éléments cognitifs dedans, ça c'est net, m'a besoin d'entrer dans une démarche philosophique pour montrer nos dimensions, ça aurait les en matière de paradigme, et représentation, modèle, réflexe, ça aurait philosophique là, m'a parlé de paradigme scientifique, m'a parlé de paradigme philosophique, c'est-à-dire champ, ça, niveau conceptuel et abstraction, qui n'a dimension ça, ça c'est ça aurait l'esprit système là. L'esprit système là, il est pidu, c'est le timbé système là. C'est l'esprit système, c'est un élément dans le système là qui est dangereux, c'est ça, c'est lui qui élément ça ou les software c'est lui même ou pas vraiment, c'est l'aspect invisible du système. Next, ça moun qui kembe système dans ça appareil qui kembe aspect ça, c'est ça ou les médias yo, éducation, l'église, c'est au des contrôle appareil ça ou les idéologie là, superstructure là. Maintenant sous pour régime politique là seulement ou pense pas changer système ou fouille. Mais problème moi qui fait chaque comme met ton poste dans page moi dis c'est macaque la fait. Moi dis les nouveaux faux bagages sérieux dans relim. Il y a monde qui dit au sort me dit voilà. Moi dis les nouveaux faux bagages sérieux dans relim. Principe numéro 1, peuple pas qu'on voyer mon aller. Principe numéro 2, imbécile, m'a dit nous ça. Pour qui ça nous penser yoté mettre yoté faire manifestation tourner en droit constitutionnel. Attendez bien ça me dit manifestation qui ont droit constitutionnel et pas révolution qui ont droit constitutionnel. Manifestation, t'as dit tout autant qu'à manifester là, régime n'a pas occupé au souche. Manifester, j'en voulais. Et puis, on dit comment pour manifester? Manifester pacifiquement. Manifester. Et c'est là où on ne peut pas comprendre ça se passe là. Ça se passe là, aujourd'hui. Là. Les notants des artistes sortis, artistes du Pumbu étaient maillot blanc. Pour aller faire cinéma, prendre la rue, et pourtant de tout le monde mettre maillot blanc, à faire macaque. Menti! T'as expliqué nous ça, ça veut dire notre game. Le game, nous, lorsque nous mouvement, ou sort fait la 10, côté que toute jeune garçon, toute jeune femme, mobilisé pour yon secouer le système, pour yon dynamiser le système, pour yon camper face à la police, et pour un groupe nègre, y'aurait les kinkino, y'aurait les artistes, y'aurait mettez devant pour venir, y'aurait venir ça, y'aurait les adoucis. Yo vin lage si au miel nan manifestation. Kon yo attendez qu'on y a ce discours pacifique qu'a parlé. Manifestation, qu'on y a ce l'ordre constitutionnel qu'a rétabli. Faut faire très attention. C'est-à-dire, au lieu que mouvement endurci pour l'autre pire pour faire bon pression dans le bondage, Nègre, qu'on y a c'est la lose, qu'on y a c'est bagay, maillot blanc, l'autre semaine, on va attendre des chemises roses, l'autre semaine, on va massissi pour aller prendre la ria pour faire manifestation, parce que qu'on y a artiste seulement qui a fait manifestation. Si c'est artiste seulement qui a fait manifestation, ben là, on va tourner, ça va aller au carnaval, et puis je venais le bras, là, on tout le monde dans le tout le monde dans le qu'on y a attendu, qu'on y a tout le monde, c'est maillot blanc, qu'on y a malheureux, pas qu'on côté au jeune maillot blanc, tout le monde met maillot blanc. Ça veut dire, ou tombe dans une situation côté que blanc les prend contrôle là encore. Blanc les prend contrôle mouvement encore dans le monde. Blanc fongeant, lui redynamiser, lui réorienter mouvement. Lui fait ça, il est en infiltrage. Lui fait artisio récupérer mouvement dans la classe politique traditionnelle là que le film guetta. Lui met un discours pour craser ou pour détruire. Il vient éliminer, il discrédite, et puis il prend un petit bouge, il prend un petit artiste. On sait le petit artiste, ça ouais, le petit artiste classe moyenne, non, t'as pour Kinkino, Tijo, et tu sais si c'est le petit artiste classe moyenne, non. Et puis il prend, il utilise Boulos,
Balba nous pour nous comprendre. Boulas pour aider yo, pour financer yo, pour yo faire ça relé marche pacifique. C'est ça blanc tes besoin même pour faire marche pacifique. Avec dit tout autant faire marche pacifique. C'est là ça, Jovenel a bien à l'aise côté l'IA. Intérêt blanc a bien à l'aise. C'est-à-dire que yo maté mouvement pour qu'elle chita dans le dialogue. De pour dans pacifique, ou pour demander des dialogues après, belle conversation pour elle faire après, et puis Jovenel chita là, Jovenel va faire ou on pas. Yo n'a deuxième aspect, m'a touché avec nous pour me comprendre. Boulos. Ou pas boulos du tout. Mettez ma ou blanc, zou, l'il va prendre la rien, pour qui raison? Est-ce que Boulos a intérêt Jovenel à aller? Ma page est l'argent avec nous, Boulos n'a pas intérêt Jovenel à aller. Je vais vous montrer pour quelle raison Boulos n'a pas Jovenel à aller. Jusqu'à maintenant, là, c'est crise ça, Jovenel. C'est l'été Jovenel sous pouvoir qui a construit le mouvement Troisième Voie. Tout tourne autant de. Tout tourne campagne où comment Boulos a fait à travers le monde, a marché bien rivé, belle boyo, a descendu bien en bayo, ouan, a fait à gauche, à droite. Ou bon c'est Boulos le Jovenel allé? Si Jovenel allé demain, Boulos mouri, oui. Bon Boulos a construit tête li comme leader politique. Boulos a construit tête li, la li gon mouvement nan même, la vente planète, la vente pays là. Si Jovenel allé, pas bien adversaire pour lui pour construit tête li, non? Depuis Jovenel viré d'ol, tout mouvement fini, Boulos a été retoui. Pas de Boulos qui a parlé dans la radio, télévision, ceci, c'est là, patati patata, marché, by discours, elle a marché, vendre dans la menti. Ça Boulos fait, puisque Blanti raison et Boulos, il dit Boulos, bullshit volant ça, m'baladon. Bullshit, peut pas venir tirer, a venir tirer, wash, ceci, c'est la m'baladon. Bullshit qui t'est fait. Côté que y a boulé ça on baladon blanc passé Boulos au coup de fil li passé Dimitri vote au coup de fil et puis qu'on y a autant de nénèt ça la gros patron yo la blanc yo et puis les petits monsieur il dit bon monsieur nous on s'est passé changer stratégie dans mouvement là qu'on y a nous mettre fait petit mouvement pacifiquement et puis qu'on y a ce maillot blanc on voit tout nèg maillot blanc qu'on y a ce carnaval qui gagne et puis bay peuple la manifestation rabordaille. Manifestation rabordaille. Ça veut dire pas des bagages sérieux qu'après le long non. Manifestation rabordaille. Qu'on y a ouais, tout petit monsieur, pour la rien, maillot blanc, l'autre c'est que nous allons attendre. Chaque jour, il y a un maillot blanc, et puis il y a un chat dehors, et puis qu'on y a un bagage à la vie, tout mon programme. Ça veut dire son programme, ou bien qu'on y a tout le petit mesdames à point, petit monde d'ailleurs. Jojo, va voir, il est Jojo, Jojo. Ça veut dire. Qu'on y a là, on lié ces batailles politiques qui fait qu'on y a nous tombé non, manifestation rabordaille, yon manifestation jol pointi, yon manifestation zizi, yon manifestation ranceur, yon manifestation bêtiseur, yon manifestation qui pensait qu'on y a nous kavoué Jovenel Ali. Qui ça a fait là ou même d'abord ou même? Qui nous a construit tête li? C'est comme ça yon nouvelle classe politique émergée. Après comme ça. C'est comme ça yon nouvelle classe politique émergée. Qui nous a construit tête li? Qui est-ce qui a construit tête li? Le tout le petit artiste va construit tête yo. Qui est-ce qui a construit tête li encore? Boulos a construit tête yo. Ça veut dire que vous n'avez pas intérêt à Jovenel Ali qu'on y a. Si Jovenel Ali qu'on y a pas bon pour yo, moun qui t'a intérêt pour Jovenel Ali, c'était classe politique là, c'était opposition. Mais opposition, yo pas vrai opposition parce que opposition gen trois gros dossiers sous dos yo, Yuri gen dossier sous dos, l'autre gen dossier sous dos. Yo pas opposition. Pendant le père opposition, qu'on y a négo, yo connaît opposition pas de chance pour reprendre pouvoir encore. Puisque opposition pas de chance pour reprendre pouvoir encore, qu'on y a négo à battre pour yo construire une nouvelle classe politique, pour une nouvelle, c'est à travers crise là, une nouvelle classe politique pour l'émerger. C'est à travers crise ça, ou pas loin, on sait des nègres pour l'émerger, quand vous kinkino, qui commence à paraître tête ni là, qui commence à paraître de télévision, quand vous boulos, ou après qu'à paraître tête, petit à petit, ou après on sait des nègres à émerger, et tôt ou tard, ou pas loin, c'est nègres ça, ou pas loin, tête pouvoir, qui parle dans le régime, qui parle paraître là. Faites attention, nous disons ça déjà. Pep pavo et mounali, qu'on est tombé dans une manifestation pacifique, avait dit, yo cassé le mouvement en main. On va dire que on va faire manifestation pacifique. Non, il va me dire non, on va prêcher à la violence, à craser, briser, à faire mon alfait des chouka. Ah non, on va voir faire ça. Moi d'où l'autre écrit constitution pour vous.
Là où vous mettez dans la constitution, c'est un droit constitutionnel qui ou gain pour manifester, c'est manifester, le dit. Manifestation pacifique, c'est un droit constitutionnel. C'est-à-dire que vous inscrit dans un régime politique qui est la démocratie. Et la démocratie a gagné un coût financier. Pays pauvre pas gagner démocratie parce que la démocratie a un coût financier. C'est ça que la démocratie a mis dans une situation de dépendance par rapport avec ça où est l'Occident. C'est l'Occident pour financer la démocratie. Bah pour arriver dans la démocratie, il faut avoir une bonne économie qui est solide. Il faut avoir un modèle économique qui est solide pour l'économie financer. L'économie nationale a financé le système politique, le régime démocratique. Mais tout autant, on n'a économie, on n'a pas rien, et on dit qu'il y a un régime démocratie. Ça veut dire que c'est blanc qui a toujours financé la démocratie pour vous. Blanc qui a toujours aidé, blanc qui a toujours mis dans l'assistana. Ça veut dire que pas jamais ça aurait été indépendance ouvrée. Quand il y a un petit scénario de parler, si nous continuons, quand nous avons deux formes de mouvements souterrains, ou bien deux groupes qui font manifestation, un groupe, c'est la classe politique, nous disons qu'il a torti, nous disons qu'il a cassé, beau plan, ceci, cela, secteur démocratique. Qui commence à y un problème dans le pays. Et puis, il a formé une commission. Bon, mouvement cassé dans le monde. Net. Commission a formé là. Mouvement cassé dans le monde. Quand il y a là, ça te passe. Commission va travailler pour assurer ça aurait les passations. Comme si, à passer mon nom à bêtise. En commission qui n'est pas même représentative, il y a frustration. Bon, c'est à cause des commissions ça qui fait qu'il qui a tiré pied plus. En pile de gens dans le secteur pays. Tu es bien pour tirer raison, parce que je ne comprends pas une commission de l'Olbokia, la commission pas représentative, commission ça, ou t'as dit c'est chaque secteur de dans le pays, chaque département t'a voué délégation par yo, pour yo t'as vu une représentation qui fait, commission grand problème de représentativité, commission grand problème de légitimité. Quand on va prendre une commission pour décider pour 3 000, pour prendre une commission pour décider pour 12 millions de monde dans le pays, y compris diaspora. Comme si c'est égal, mon yo, pense yo, oui. Pour voir blanc blanc garder au dépré blanc garder au danger comme ça blanc veille au ta grande bagne blanc est amené une enquête sur tout le monde qui forme une commission tête pété il est en compte défaut chaque il est en compte grande zone chaque grain qui gagne il me rebi un dossier et dernier crasse dans toute opposition commission là gagne dossier yo tout les rois proposent gagne pour négocier du ou même mettez le bagage ou dire mettez le loi même tel cause faire ou même pas crédit vous pas gaga et puis vous attendez à la zin pété commission pété éclaté cacao et monde prendre en courir parce que tout le monde qui est dans la commission, c'est même élément système. Non, c'est ancien rap, ancien monde qui est dans le système. Non, on va pas venir faire une commission sérieuse pour prendre une rébi, pour prendre les parents, pour prendre une série d'éléments vieux vin, ou prendre un ancien vin qui gagne et pour prendre bon vin pour aller mourir. Depuis qu'il est ancien bullshit qu'on a couché bagaille neuf, depuis qu'il est, ou qu'on prend un vieux bagaille qui dans le système pour accoucher un bon bagaille, ça va exister. Soit font bagaille neuf. Quand il y a là, j'entends de la frustration, comment c'est fait. Vous pouvez être divisé, vous pouvez être dans le pays. D'ailleurs, le mouvement est divisé. Quand il y a un mouvement classe moyenne, des mouvements peuple. Mouvement peuple là, net capable de tirer wash qui prend la cité solaire, cité carton, rap, fou, ceci, cela. Ça, c'est mouvement Nenel Cassio, mouvement cité solaire, mouvement ceci, mouvement opposition politique là. Qu'on y a bon l'autre mouvement qui a fait manifestation, yo parlez les têtes aux manifestations, yo parlez les têtes aux mobilisations, yo relé aux marches, yo utilisent un mot, ouais, même vocabulaire a changé. Bon changement qui fait au niveau et terminologique et lexical. L'oreille au doux, au lieu au doux, c'est manifestation pour le fait, yo pas doux ça. Yo do marche pacifique. Ça veut dire qu'il faut comprendre. Ça veut dire depuis le discours a changé, langage a changé, c'est-à-dire stratégie a changé, bon forme, bon nouvelle mode de leadership qui exerce, qui émerge en dedans manifestation. C'est-à-dire que nous séparer de nous-mêmes. Moi, pas dans le bagage, nous avons fait 17 octobre là. Qu'on y a fait pas, nous n'a fait. N'a fait pas nous en l'autre genre. J'en a fait pas nous en son bagage, zuzu. Tout le monde, il y a tellement fait affaire aux zuzu, il y a qui costume, qui uniforme pour mettre maillot blanc. Tout le monde, maillot blanc. Et pour le peuple, le classe moyenne répond, oui. Classe moyenne, il n'est pas classe moyenne opéra, non. C'est classe moyenne tirotijemba. Parce que classe opéra lui-même, il est assuré tout à fait là, Saint-Domingue. Petit, il est à l'école à l'étranger. Il n'y a pas de caca avant. Il n'y a pas de petit bagaille à droite, il fait un petit pété en bas. Et petit, il n'y a pas de l'école. Petit bourgeois lui-même, il est à l'école. C'est dans l'école de Miami, oui, petit. Vous comprenez? Dans l'école de Miami, oui. Qu'on y a là et puis. Et puis,
qu'on y a là tout le monde vient camper ajuster quoi là et puis s'attendre à toute qu'on y a une nouvelle élite qui parle, une nouvelle leadership qui émerge, nouvelle leadership ça et qui prend bagarre là, c'est bagarre classe moyenne, Zizi, Joel Pointy, Wawan, c'est oh oui, Jojo qu'on y a c'est danser à danser, belle ti gogyo non mais yo machin yo a tout profiter. Machin yo qu'on y a pas peine, non machin yo ka vendre. Oui non, non marche pacifique ça, machin yo ka mettre bac yo dehors, yo ka vendre parce que pas des monde qui pas besoin de l'eau pour yo bre, faut machin yo venir avec de l'eau pour yo faire petit commerce parce que c'est comme un carnaval li pour, c'est artiste yo, c'est comme si un carnaval qu'on y a ti madame va mettre petit bout de jeep qu'on a bala pour nos programme. Jojo tout non joke, qu'on y a son joke. Ça yo relé ça. Ou qu'on comment relé ça en politique. Pour en dal ti tête pété qui pas connait en politique. Yo relé ça ridiculisation. C'est-à-dire pour un phénomène sérieux qui gagne rapport avec destin en nation, qui gagne rapport avec changement en système pour améliorer conditions de vie en peuple masse là qui t'a vu dans mauvaise condition comme ça ou comment utiliser ti élément classe moyenne là, yo fait le prend mouvement. Yo fait le prend mouvement, yo fait le tourner rabordage. Yo fait le prend mouvement, yo fait le tourner ça relé, yo bagarre un programme. Yo ridiculiser et mouvement. Yo fait le tourner côté que qu'on y a ouais tout le monde descend. Peuple là content, tout le monde a manifesté mais qu'on y a connait tout le monde assuré. L'autre semaine on va voir ti monde pral nan cou moun yo, c'est carnaval, c'est rabordage, habillement. Pour qui raison? Pas de menace, pas de threat, pas de roche capturé, pas de violence, pas de bouteille colostop, pas de police qui parle de gaz, parce que c'est pas même bagaille là qu'a fait. C'est pas même bagaille là. C'est la pacification du mouvement. C'est ce qu'on appelle la pacification du mouvement qui prend forme rhétorique de ridiculation. Il y a ridiculisé le mouvement, puis on casse le mouvement, puis on récupère le mouvement dans les classes politiques, et puis on la gueule, et puis on accouche en nouvelle leadership. Mon cher, t'aimes dit nous pour terminer. Les nous gardons dans le poste, nous ne pouvons pas comprendre. Les nous parlons, nous disons, les nous pouvons faire un bail sérieux, faire un signe. C'est là que j'ai brassé là. Manifestation nous sont là, qui sont faites là aujourd'hui. Ti marche là, se fait côté ti moun a sekwe kon nou, nou est isolant, gen problème avec fantôme. Fantôme dit qu'on ça gon l'argent qui tombé. Ou est-ce oui, gen l'argent tombé. Donc c'est nèg yo égaré. Nèg yo connaît gen l'argent tombé. Un élément ou est kembe ni quoi non maintenant là. Isolant gen chan maintenant là. Et pourtant de la diou. Jojo pa ka de. Non, monsieur gen bel l'argent non même. Ou pas gosse et comment on est bah là et bah il cap bah courant oui il y a un gros bagarre derrière qui a poussé char là grand monde et puis s'entend derrière là l'argent qui a brassé petit quand y a petit peuple là même ni même petit programme nous comprenons nous il pas calme dans manifestation côté roche a tiré vacabon cagoule figure a tiré coup roche à gauche à droite zépété la police a bail coup de gaz côté tirasta prend coup coup pour gaz en bas vente ni après coucher mal non qu'on a été bail soir qu'a fait c'est comme pour carnaval bon jojo va la nuit tout to jojo yo pacifier mouvement et ça te fait là n'est pas qu'on étudie ça ou les mouvements sociaux en sociologie action collective ou fait un gros problème ou dit moi étudier sciences politiques ou c'est politologue ou pas faire étude civilisationnelle. Ou pas faire aucune étude géopolitique et stratégique, ou pas faire global studies, ou pas comprendre, ou pas maîtriser les paramètres internationaux, ou pas maîtriser les grands enjeux internationaux, ou pas maîtriser ça ou les crises contemporaines, ou pas étudier ça bagaille ça ou pas étudier guerre de civilisation, ou pas faire l'histoire des civilisations, ou pas étudier comment moun jete pays, comment guerre fait en dedans pays, ou pas étudier comment comment contrôle et ressources dans la planète là, ressources qui limitées, comment accès à ressources ça au fait, comment contrôle ressources ça au fait, qui pays qui a plus contrôle ressources pays, pour qui raison bat à faire, et puis qu'on aura brûlé tête tout petit peu de politologue, vient renseigner dans figu monde, vient bêtiser, ou vient faire analyse, ou prendre en considération seulement les facteurs internes, et puis qu'on aura pas tirer conclusion, il faut pas jamais accoucher. Si ça ne va pas jamais accoucher, aucun bagage positif dans le prognostic ou ni dans le diagnostic ou parce qu'il y a des éléments, il y a des variables, il faut tenir compte des constants. Là, il faut analyser sérieux, il faut considérer les constants. Il y a des éléments qui ne vont jamais changer parce que c'est pas terminé. Mais où considérer les variables? Parce que c'est sous variables pour manipuler.
L'on manipule les variables, c'est ça qui va permettre que le résultat a changé. Mais les constants, on doit toujours considérer, il faut toujours identifier les constants. Parce que c'est constant qui m'a de. Est-ce qu'on comprend? C'est constant qui est important. L'on dit contrôle constant, l'on dit contrôle constant, c'est même en mathématiques, équation mathématique. Constant toujours été constant. C'est-à-dire que variable, c'est de changer. Maintenant, n'est qu'à faire analyse politique ou besoin de résultats. Il faut que des modèles qu'on a utilisé dans le scénario. Il y a des scénarios qui sont plausibles, qu'on n'a pas de faisabilité, scénario ça sur le terrain, ou pas de faisabilité. Quand il y a des gens qui viennent parler, nous disons ça déjà avec mon ami. En pile, nous avons dit qu'on étudie. Moi-même, quand je m'étudie, je m'étudie et discipline, moi, je choisis, je forme pour me diriger. C'est-à-dire, je m'étudie pour m'apprendre. D'abord, premier bagage, moi, pour apprendre une vision globale du monde. Faut me regarder comment le monde fonctionne. Parce que premier bagage, je vais apprendre, moi, en tant que haïtien. Je fais me connaître que Haïti fait partie de un système, un ordre mondial. C'est-à-dire, là, comment se comprendre ça, un ordre mondial lié. Et qui est-ce qui décide pour ordre mondial à changer? Ça va être le balance of power. Qui, comme pouvoir, dans la planète, a changé les chiffres, les sorties dans un pays, pour aller dans notre pays, et comment ça décider, c'est là qu'on va le comprendre, ou pas l'étudier, ça veut dire processus de décolonisation après la Deuxième Guerre mondiale, ou pas le comprendre qui ça t'est accouché, Première Guerre mondiale, ou pas le comprendre qui ça t'est baillé, Deuxième Guerre mondiale, ou pas le qui rôle nationalisme t'est joué dans la guerre mondiale, ou pas le pour qui raison, en réponse avec le nationalisme qui t'est accouché, Deuxième Guerre mondiale, le nazisme, l'autre bois, avec l'été accouché Hitler, l'été accouché Mussolini en Italie, l'été accouché et le Japon. L'on commence à comprendre le rôle nationaliste dans tes jouets. Et pour qui raison, John Maynard Keynes, il y a un plus grand économiste anglais qui a gagné. Il dit que les films fait deuxième première guerre mondiale, l'Allemagne a perdu. Il dit faites attention. Il dit anglais, faites attention. Il dit piganoui milieu l'Allemagne. Il va dire, piganoui milieu l'Allemagne. Non, mais il rentre l'Allemagne, pays vainqueur, il rentre l'Allemagne, il a humilié l'Allemagne, il a crassé l'économie l'Allemagne là, il a fait l'Allemagne payer dette pour cette guerre, il a fait l'Allemagne payer. Eh bien, Dutch là, l'argent l'Allemagne là, vient effondrer. Nationaliste, qu'on y a peuple allemand, vient monter en nationaliste, il vient gon bouillonnement qui fait, il n'a pas accepté l'humiliation avec déception. Eh bien, qui est-ce qui va le porteur? Qui va le porteur de idée, de force, ça, de énergie, ça, c'est Adolf Hitler. Et tout le monde connaît le résultat, qui ça le bail comme résultat. Je ne le dis à mes chers amis, laissez-moi dire non, si bagaille. Donc, d'Allemagne n'a pas agité, quoi. Il y a des gens qui ont fait l'analyse, mais ils n'ont pas le sens de l'histoire. Ils ont perdu le sens de l'histoire. Il faut vous ressaisir, mes chers amis. Il faut maîtriser l'histoire. Car l'histoire, c'est un élément qui joue un rôle déterminant. Par rapport avec ce qu'on appelle le futur. Je ne vais pas entrer dans une démarche pour me faire un pronostic eschatologique, pour me faire comprendre les dynamiques par rapport avec comment le régime politique arrive à la fin. Non, mais je dois entrer dans une dynamique pour me faire ça. Non, je ne suis pas obligé de faire ça, me former pour ça, m'éduquer pour ça, à l'école, je vais apprendre pour ça. Mais ce qui est important, je vais montrer nous qu'il y a des, en matière de politique, il y a des hommes qui sont extrêmement formés, aigus et pointus dans l'analyse. Cependant, il y a des individus qui ont parlé, ou moins de côté de l'école, côté le formé. Pour quelle raison? Parce que ça le dit, là, puisque 80% du peuple n'a pas compris, ils ont accepté ça comme moi, et puis depuis, ils n'ont pas maîtrisé même les notions élémentaires de la démocratie, ils n'ont pas maîtrisé même les notions élémentaires en matière de en philosophie et même en droit, et puis ils n'ont pas aucune culture juridique. Et puis, il a arrêté là, il a monté sous les médias en Haïti, et pourtant, il est tombé parler, il est tombé, il jeune quelques vieux chaud là qui va le parler, il est tombé dans ramasser, il est tombé voyer caca dans ramasser, il est tombé non, comment est le chaud ça là, non, matin des balles, tombé voyer tintin, et puis, puisque le peuple n'a pas compris, il va qu'on écrit, il sort, il est lettré, et puis, c'est plus gros net qui formé qui a gagné. Mais là, on est arrivé des bons monde qui forment des experts en la matière, qui spécialisent dans tel ou tel domaine en géopolitique et stratégique, qui font des études extrêmement poussées et avancées, qui comprennent, maîtrisent les paramètres qui font un bon. Ouais, l'on arrive devant nèg ça, ouais, laisse ouais, dans qui état nèg ça au bébé, dans qui état ti nèg ça au tissot, dans qui état nèg la pas maîtriser rien. Et bien mes chers amis, me dit ça. Me dit les amis qui demandent est-ce que je venais le aller. Me dit monsieur, peuple pas qu'on voyait pouvoir aller. Jovenel Bralé, les maîtres décident
pour l'aller mettre qui t'est mettil là. Et Michel Soukante dit on posé en pile monde t'a tiré point. Je pense que monsieur dans l'analyse il t'est pointé un bagage qui est extrêmement important. Il t'est dit nèg yo kon côté pour y aller frapper. Elle dit c'est pour nèg yo aller dans l'ambassade américaine. Il kon côté pour y aller frapper. C'est-à-dire il pas t'a parlé avec peuple là. Il t'a parlé avec leadership mouvement. Classe politique là, c'est-à-dire l'opposition, classe politique, leadership opposition, il t'a parlé. Il t'a dit, nèg yo kon côté bien pour y aller faire manifestation, côté de Kembe Jovenel là. Effectivement, ce qu'il a dit est vrai. Ça, monsieur, avance, c'est extrêmement important. Parce que nèg yo pas jamais vu dans le niveau ça. Pour qui raison? Parce que nèg yo connaît ce caca à faire peuple à faire. Yo connaît ce teinte à faire peuple à faire. Parce que, co-pavlel, légitimité blanc, blanc clair sur lui. Qui Jovenel pas de légitimité ou pas? Il a été élu. Blandouli, il a été élu. Sous besoin forcer mes blancs pour le mettre dehors, ou qu'on qui côté pour aller. Sous besoin forcer mes blancs pour retirer Jovenel, ou qu'on qui ça pour faire. Sous besoin forcer mes blancs pour retirer Jovenel, vraiment, nèg opposition qu'on qui ça pour faire. À part de ça, une fait moun fait tintin, fait manifestation, petit bordail qui pral shopping, qui pral acheter affaire, qui pral casser magasin moun, qui pral ceci, pral cela, matak n'a fait. Pété, n'a pété, nous connaissons l'argent à boire, c'est l'argent qu'a brûlé. Chaque manifestation nous fait, c'est l'argent qu'a parlé. C'est l'argent qu'a boire dans la manifestation, n'est qu'a fait l'argent, n'est qu'a brûlé. C'est une industrie liée, c'est une industrie qui a baillé l'argent. Et quoi me sauver? Pour qui raison bon pour Negio? Li bon pour Negio. Manifestation, li bon pour un pile monde. Pas de soucis courants encore. Pas de soucis si là encore, pas de soucis encore, parce que manifestation faveur, yo jeune la paix, bourgeoisie a jeune la paix. Depuis manifestation fait, yo jeune la paix avec l'État qui t'a emmerdé, l'État t'a fout qui emmerdé chaque jour, si là, yo jeune la paix avec l'État. Yo fout l'État problème, yo fout l'État et manifestation dans moudal. Every day, de quoi pour l'État quitter Bunda en repos, pour l'État pas manger contre yo, pour l'État pas ceci, pour l'État pas cela, pour ne pas gagner aucun changement de fait. Son bagage qui simplifie. C'est ça, le système. Et pas régime. Opposition à bataille contre régime. Opposition à bataille contre système. Les nouvelles batailles contre système, non, n'a fait signe. Après ça, c'est rancé, n'a pensé avec Figuimoun. Moi, salut à tous les amis. Partagez la blague. Que bon Dieu bénisse. Nous passons bon après-midi.